La super patrouille. Bonjour Christopher. Bonjour Steve. On se voit plus tard? Peut-être quand ce ciment aura séché? Oh là là, j'espère que les bébés voitures ne vont pas rouler dans le ciment frais de Christopher. Hé, les enfants, faites attention! Ne paniquez pas, nous devons juste vous sortir de ce ciment, rapidement, avant qu'il ne sèche. Super, vos amis sont allés demander de l'aide à la super patrouille. Un à la fois, les enfants. Ne vous inquiétez pas, Matt et Franck ont un plan de sauvetage. Tout va bien, les enfants. La super patrouille est là pour vous sauver. Qu'allez-vous faire, les amis? Vous allez pulvériser de l'eau sur le ciment pour qu'il redevienne liquide? Et que vas-tu faire ensuite, Matt? J'espère que tu es assez fort pour sortir les bébés de ce ciment. Waouh, quelle force! Bien joué, Matt! Maintenant, il est temps de te nettoyer, petit, pendant que Matt sauve ton copain. Allez, tu peux y arriver, Matt. Bon travail. Hé, voici Christopher et Steve. Franck a raison, Christopher. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les bébés sont sains et saufs. Mais peut-être que la prochaine fois, tu pourras mettre des panneaux d'avertissement. Nous acceptons tes excuses. Matt et Franck mettront quelques cônes de chantier autour du ciment pour toi, si tu veux recommencer le travail. C'est à nouveau comme neuf. Voilà qui est mieux.
La super patrouille. Ah, encore une belle journée qui commence à Car City. J'ai l'impression que Matt et Franck travaillent tôt ce matin. Attendez un peu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Espérons qu'il n'y ait pas d'autres poubelles qui débordent. Allons voir un peu plus loin. Vous avez raison, il y en a partout. Oh, il y a encore plus de déchets par ici. J'ai l'impression que c'est comme ça dans toutes les rues de Car City. Il y a même des ordures devant l'hôpital. Ne t'en fais pas, Amber. Matt et Franck vont arranger tout ça. Quoi? Tu dois fermer l'hôpital jusqu'à ce que les ordures soient enlevées? Hé, les amis, Amber dit qu'il faut fermer l'hôpital à cause de toutes ces ordures qui traînent dehors. Bonne idée, Matt. Gary, le camion poubelle, va nettoyer tout ça en un rien de temps. Tu crois que Gary est la cause de tout ça, Amber? Vous feriez mieux de le chercher, les amis. Il y a vraiment des déchets partout. J'espère que vous allez vite mettre la main sur Gary. Ah, voilà Gary. Mais que fait-il? Tu jouais au lieu de ramasser les ordures, Gary? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, tu as été malade toute la nuit. Tu as raison, Matt. Nous avons besoin de l'aide d'Amber. Hé, Amber! Nous avons trouvé Gary. Mais il est très malade. Peux-tu venir au terrain de jeu tout de suite? Qu'est-ce qu'il a, Amber? Il est surmené? Dans ce cas, nous devons le rafraîchir un peu et lui donner du carburant. Merci, Franck. Matt, tu n'aurais pas un peu de carburant pour lui? On dirait que Gary va mieux. Waouh! Te voilà prêt à ramasser toutes ces ordures, Gary. Tu pourrais peut-être commencer par l'hôpital. Amber a dû le fermer à cause des poubelles dans la rue. Super! Car City sera bientôt propre à nouveau. Beau travail, les amis! La super patrouille!
Mais que se passe-t-il à Car City aujourd'hui? Tout le monde conduit dans tous les sens. Matt et Franck aussi. Eh, les amis, que se passe-t-il? Oh, il y a de l'essence partout. Ça pourrait être dangereux. Mais d'où vient-elle? Vous devriez peut-être enquêter. Oh oh, un feu rouge. J'ai l'impression que Matt va pouvoir s'arrêter. Mais Franck doit y aller prudemment. Attention, Franck! Est-ce que tu vas bien? Eh bien, au moins tu as réussi à t'arrêter. Mais maintenant, tu es dans le mauvais sens. Le feu est passé au vert. Tu ferais mieux de faire demi-tour et de rattraper Matt. As-tu vu quelque chose, Franck? Oh! C'est Tyson, le camion-citerne. Il y a quelque chose qui goûte de son réservoir. Attends un peu, Matt. Entends-tu la sirène de Franck? Cela veut dire qu'il veut que tu reviennes et que tu le suives. Hé, hey, Tyson, oh? Entends-tu la sirène derrière toi? Cela signifie qu'ils veulent que tu t'arrêtes. Oh mince alors. On dirait que toute cette essence t'empêche de ralentir. C'est cela, Tyson. Tu as perdu de l'essence partout. Je crois qu'il faut réparer ton réservoir. Nous devrions appeler Tom, la dépanneuse. Super! Il vient à la rescousse! Le voilà qui arrive! On dirait qu'il a trouvé le trou. Que vas-tu faire, Tom? Oh, j'ai l'impression que nous allons avoir besoin de ton aide, Matt. Il faut que tu mettes de la colle sur le trou et qu'ensuite, tu colles la pièce de métal dessus. D'accord? Ouais. Super! Vous avez réparé Tyson! Beau travail d'équipe, les amis! Plus qu'une chose à faire. Oh. Nous devons nettoyer Car City. Oh, bonne idée, Franck. Ça ne prendra pas très longtemps si vous travaillez tous ensemble comme cela. Très beau travail. À plus tard.
Salut Matt. Salut Franck. Quelle belle journée, non? Ambre, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu triste? Oh, pauvre Ambre, tu as perdu ton gyrophare. Ne t'inquiète pas, Ambre. Matt et Franck vont le retrouver. Allons les prévenir. Matt, Franck, Ambre a perdu son gyrophare. Il faut que vous l'aidiez à le retrouver. Ambre se trouve près de l'hôpital, Matt. C'est vers la gauche. Ambre, Matt et Franck sont là pour t'aider. Ok, Matt et Franck, c'est parti. Allons voir du côté de l'aire de jeu. Non, il n'est pas ici. Eh, peut-être qu'il faudrait que l'on demande aux autres voitures s'ils n'ont pas vu le gyrophare d'Ambre. Allons voir Tom, il pourra peut-être nous aider. Salut Tom, aurais-tu vu le gyrophare d'Ambre? Allons voir Stan, le camion poubelle. Salut Stan, est-ce que tu aurais vu le gyrophare d'Ambre? Ça va aller. Je suis sûr que nous allons le retrouver en un rien de temps. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, Franck? Mais oui, tu as raison! C'est le gyrophare d'Ambre! Bien vu, les amis! Mais comment allons-nous le récupérer? Ah, super, Franck! Quelle bonne idée! Bravo, Franck! Bravo, les amis! Vous avez fait un super travail! Waouh! Il marche vraiment bien! À la prochaine, les amis !